Hello à toutes et tous et bienvenue cette. Hello à toutes et tous et bienvenue dans ce. Hello à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Elden Ring. Donc on va aller faire un nouveau donjon. Hein. Donc voilà, je suis ici sur la map. Voilà, et là on a une statue. Hein. Donc comme je vous avais déjà expliqué, quand vous voyez ces statues-là, voilà, elle va vous montrer la direction d'un donjon qui n'est pas très très loin. Si je tombe de là, je meurs, moi. Bonne question. Hop, on va peut-être pas prendre le risque. Voilà. Hop, hop, hop. On fait gaffe. Normalement ici, c'est bon. Voilà, hop. Nickel. On va grimper par ici. Et on devrait découvrir l'entrée du donjon. Où est-il? Où est-il? Ici. Voilà, nickel. Hop. On va parler au petit PNJ. Voilà, on va activer le site de grâce. Voilà, je vais prendre en même temps, je vais augmenter mon niveau. Dextérité. Allez, voilà, je vais prendre un petit peu plus en vigueur. On y va. Donc, comme d'habitude, on a. Voilà, il va falloir activer. On fait attention. Alors, eux, généralement, ils meurent pas tout de suite. Il faut donner un coup une fois qu'on les a affaiblis. Voilà, on y va. On fait attention. Ah, je n'ai pas l'habitude avec la distance. Je joue avec une arme plus grande. Allez, on va récupérer un peu de d'endu. On fait attention, hein. Comme je disais, ils sont à max ici. Faut vraiment faire gaffe. Voilà. Oui, il y en a un paquet, hein. Voilà, nickel. Ah oui, il faut que je le bute. Oui, j'oublie à chaque fois aussi. Par là, il y avait quelque chose. Hop. Allez. On termine. Généralement, quand il y a des plantes comme ça, dites-vous que. Ouh, vite, 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 avant qu'ils se reforment. Ah merde. Voilà, je l'ai eu. Hop. Allez, on va avancer. Faire attention, il y en a un là. Allez, hop. Nickel. On va prendre la petite plante. Voilà, vous voyez déjà quelques ennemis ici. Hein. Donc on fait toujours attention. Voilà, il y en a deux ou trois qui vont apparaître. Voilà, on récupère son enduit. On fait gaffe. Oui, il y en a un paquet hein, quand même. Allez. On recule un petit peu. Voilà.
Hop. Un petit coup d'estoc. On brise leur garde. Voilà, encore un là-bas. Ah. Oh, nickel. Il a sauté sur mon épée. Voilà, hop. Bon, on continue notre route. Attention, parce que j'ai déjà bouffé pas mal de popos. Donc là, on fait attention. On prend la rose. Voilà, on va ouvrir le levier. Je vais juste me relever, ce sera mieux. Voilà. Une lourde porte s'est ouverte quelque part. Alors là, on fait gaffe. On rush. Et ils sont réapparus. Hein. On fait gaffe, on fait gaffe. On remonte. Voilà, la porte s'est ouverte là. On va aller. On va retourner. Hop. Voilà. Nickel. Et on a un petit combat de boss. On équipe les chiens. Allez, c'est parti. Allez, on fait attention. Les chiens font le taf, hein, de manière générale. On prend pas trop de risques. Voilà, voilà. Allez. Voilà. Donc pas très très compliqué. Ennemi abattu. Dac pourpre de l'assassin. Hop, et on prime un objet supplémentaire. La morte fleur. Donc ça, il faudra les garder. On va les utiliser plus tard. Pour récupérer des bien plus tard dans le jeu d'ailleurs, pour récupérer des objets. Donc on va retourner à l'entrée. Voilà, encore un petit donjon d'effectuer. C'est plutôt cool. Voilà. Voilà, petit donjon donc qui se situe ici. Bon, maintenant ce qu'on va faire, on va partir un petit peu à l'est, mais bon, ça je vous ferai dans une autre vidéo. On va aller combattre un PNJ qui se trouve ici pour récupérer une arme assez cool, qui est assez balèze d'ailleurs. C'est pour ça que je garde mes mes pierres pour pouvoir justement utiliser utiliser la forge pour pouvoir monter cette arme là qui est quand même assez balèze. Bon voilà, nickel. Bah, écoutez, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. On peut laisser un petit commentaire, un petit like, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Elden Ring. Salut à toutes et tous.